Bonjour, alors il y en a plein qui me demandent comment il est le Jerry Nuggets, donc c'est pas le même Jerry Nuggets que l'original. Ça c'est un 100% plastique. Quand on dit 100% plastique, c'est du PVC. C'est ça, Jérôme? C'est ça. PVC, hein. Donc dans ce 100% plastique, vous avez une carte rouge, bleue. Donc là c'est le Joker. Une carte blanche, bleue. Et après tout le reste, c'est des cartes ordinaires. Donc vous pouvez travailler comme un jeu ordinaire, il fait un peu plus de bruit. C'est du PVC. Les cartes sont les mêmes, donc vous pouvez jouer, travailler dans l'eau. Hein. Mais c'est pas du bicycle, c'est pas de la carte à jouer, mais ça marche très bien. Vous pouvez faire du Hemsley, hein, ça marche aussi bien. Donc 1, 2, 3, 1, donc hop. Vous pouvez travailler comme un jeu normal. Vous pouvez faire des levées doubles, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça marche très bien. Et après, les cartes sont ordinaires hein, sur les faces, les 5, les 2, les valets, les dames. Voilà. Donc, c'est assez amusant. J'aime bien travailler en ce moment. J'aime bien faire mes petits tours avec ça. Donc, vous allez voir mes dernières vidéos où vous me voyez faire avec ça. En fait, ce jeu plastique est quand même d'une bonne qualité comparé à d'autres jeux plastiques. Il est quand même pas mal. On peut faire des beaux éventails avec. Bon, la preuve pour les étalements. Hop. Je te le donne, Jérôme, tu me fais 2-3 éventails. Alors, ça sera moins beau qu'un jeu bicycle, mais c'est vrai Allez, que pour manipuler un jeu de cartes qui est quand même 100% plastique, on a quand même des étalements qui sont jolis, qui restent bien. Pareil pour si on veut faire quelques fioritures, on va dire, de base, ça fonctionne. Des éventails, c'est un petit peu moins joli, mais bon, c'est un petit peu moins joli qu'un bicycle classique, mais plus ça c'est éventail quand même. Comparé à d'autres, que quand vous faites des éventails, ça fait des blocs comme Oui, ça. le 100% plastique plus Voilà. bicycle, il marche moins bien. Celui-là, je veux dire, si on regarde, je ne veux pas dire que c'est quand même 100% régulier, mais ça reste quand même un éventail qui est quand même plus ou moins joli, même d'une seule main, ça fonctionne. Enfin, pas de moi ce côté plutôt, mais ce côté, on a quand même un éventail qui reste plus ou moins assez bien. Voilà. Donc ce jeu 100% plastique, pour toutes les manipulations, il est sympa. Comme c'est du Voilà, plastique, il il n'est est pas légèrement plus contraignant. lourd. Alors c'est beaucoup plus lourd, effectivement, d'ailleurs on entend au bruit. Voilà. Mais c'est vrai que... Il est agréable. Voilà. Il faut juste, quand même, ça très important, ne pas tordre les cartes. Si vous tordez les cartes comme le bicycle quand on fait un pillage Mercury, la carte casse. Donc avec des cartes plastiques, on ne peut pas faire tout ce qui est carte clé. Ça sert que pour manipuler le jeu avec des techniques classiques de base. Ok, Voilà. donc l'étui normal, hein, carton. Ça reste, pour moi, avec tous les jeux de plastique qu'on a en magasin, le meilleur. Donc on l'a en bleu, en rouge, et on a les mêmes cartes, pas plastique, Ouais, en pas carton. plastique, sont en carton, qui sont très très bien aussi. Très bien. Merci Jérôme.